Yo tout le monde, c'est Teofin55 pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on se retrouve sur Minecraft comme vous voyez en haut. Oh j'ai tout pété. Donc on se retrouve pour faire la présentation d'une map SCP. Donc sur Minecraft hein. Attendez. C'est là. Voilà. Donc, quand on arrive, bon, on spawn là. Donc on a, alors je précise, je suis sur PS4, hein, pour ceux qui voudront des tutos de choses, vous me dites. Donc si elle mettait garde, classe D et chercheur. Exemple, je sais pas, on fait garde, hop. Oui, bon, il y a des armes. Il y a des ressources packs. Voilà. Donc, par exemple, on est dans le secteur 1. Donc là, il y a exemple, donc je vais essayer de tout vous montrer, mais bon, ça va être dur. Donc... Ici, exemple, il y a SCP 2950. Donc la chaise, hein. Donc voilà, on peut y aller, on marche dessus, après, ça, voilà, ça fait des tremblements, et puis après, vous mourrez. Bon, moi, j'ai fait en sorte que ça me tue pas, parce que, hein, voilà, je suis dans la partie. Parce que je suis en mode créa. Donc, du coup, les gardes, vous vous poserez vers là, juste devant. Donc, du coup, on va continuer ici. Donc voilà, comme vous voyez, c'est juste des boutons à appuyer pour allumer et tout. On peut aller là, donc si après c'est un SCP, mais ça sera une personne qui le fera. Vous pourrez choisir vous-même ce que vous ferez, c'est pour ça qu'il n'y a pas de panneau. Donc, du coup, ici, alors ça, vous voyez, oui, il y a des caméras, on verra après. Donc, vous pouvez désactiver l'électricité, mince. Là, on désactive, bon, faut attendre un peu longtemps. Donc, je vais réactiver et on le verra quand on ira à la salle de contrôle. Voilà, je réteins. Maman, dans... vous voyez, ça cligne aussi des yeux. Hein. Il fait un effet de blindness. Donc après, ici, il y a les CP ordinateurs, que j'appelle comme ça, quoi. Enfin, l'ordinateur, quoi. Je crois que c'est 090... 0,95. Ah, voilà, comme vous voyez, il n'y a plus d'électricité. Bon, là, ça se rallume du coup. Voilà. Donc après, quand on continue, on tombe sur la salle de contrôle. Voilà, on peut se balader. Du coup, ici, il y a les fameuses caméras. Donc, si on appuie sur un bouton, parce qu'on TP, exemple, ici, il y a dans la salle, il y a le grand couloir. Ici, on est secteur 1. Voilà, donc on peut regarder. C'est près de la cage des CP, du coup. Après, il y a l'autre. Voilà, près du secteur 3, du coup, et 2. Pour regarder le passage. Donc, voilà, c'est trois petites caméras, mais bon, ça fait plaisir. Donc, après, donc, on peut continuer pour l'endroit où les chercheurs, quoi. Donc voilà, si j'ai fait des trucs un peu réalistes, vous spawnez ici, hein. Voilà. On va continuer. Donc ici, un passage pour passer secteur 3. J'ai oublié de mettre les panneaux. Je mettrai plus tard. SCP 087. Donc si je me souviens bien, c'est l'escalier infini, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, il n'est pas infini, mais il est vraiment, vraiment, vraiment très long, quoi. Et puis à la fin, j'ai mis un truc comme quoi vous mourrez instant. Enfin, c'est un truc. Vraiment, ça fait un descendu. Hop, hop, hop. Bon, voilà. C'est fait. Après, on a 0,49. Ça sera un joueur qui le jouera, mais voilà, je vous montre. Hein. Donc, si on est dans la salle, donc s'il y aura 0,89, vous construirez l'endroit où vous. Enfin, celui qui voudra le faire, je lui construirai ce qu'il voudrait. Donc, il me dira, et hop, je le fais. Donc, ici, c'est un autre SCP. Donc, ici, en fait, c'est la reproduction de l'autre. Mais en fait, enfin, l'autre. Ah non, 542 pardon. Enfin l'ordinateur, vu qu'en fait je pense que je vais plutôt le mettre secteur 3. Donc j'avais un doute, du coup je l'ai mis dans les deux, enfin voilà. Donc après, ah tiens, il y a un de mes potes. Donc ici après, on arrive dans le secteur médical. Voilà. Donc, tout ça. Bon ça voilà, je vous montre pas, vous viendrez voir en jeu. Après, il y a du coup la Tesla Gate. Après, ici, il y a SCP-096 qu'une personne jouera. Donc, vous voyez, on peut s'amuser à ouvrir, fermer. Voilà. Tout ça, c'est moi qui ai fait. Je vous préviens, c'est une petite vidéo. Hein.
pouvez encore vous balader. Donc après, on va voir les endroits des classes D. Donc il y a un stand de tir, il y a tout ça, mais bon, je vous montre pas. Il y a même la cantine, enfin, il y a tout. Donc voilà, donc si c'est l'endroit des classes D, bon voilà, banal. Donc après, je vais vous montrer un autre endroit. Vous pouvez faire directement classe D, mais je vous ai pas montré, mais il y a un autre bouton pour être prisonnier directement. Donc en gros, ici, bon, j'ai fait juste à côté, hein. Ici, il y a la prison. Donc vous serez ici, hop, ici, là, vous prenez le papier, vous lisez, vous acceptez, vous appuyez ici. Après ça, vous tapez dans le bus, et après, hop, vous arrivez dans la fondation. Donc voilà, c'est pas dur. Donc j'ai fait vraiment un truc. Alors ça fait à peu près 2 semaines, donc comme vous voyez, j'ai fait des terrains de foot, enfin, j'ai fait des trucs un peu réalistes. Après, je vais vous montrer le CEF, la cantine, pardon. Voilà, donc vous pouvez y accéder par là, hein. Comme vous voyez, voilà. Donc pour ceux qui veulent le découvrir, venez sur, ajoutez-moi sur Minecraft, F55, je suis sur Play. Vous pouvez m'ajouter en ami, hein, ce sera la même chose. Oui, il y a mon pote à côté, là, hein. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est là. Bon les gars, sur ce, vous débaille. J'espère que vous avez kiffé. Bye.